Joli bruit effectivement, mais la concurrence sera rude ce week-end. Au parc Expo à Tours, ce sont des centaines de motos qui sont exposées sur 9000 mètres carrés. Autant dire que les connaisseurs pourront se faire plaisir, mais les amateurs de motos plus anciennes devraient aussi y trouver leur compte. Des passionnés exposent ici des guimbardes datant du siècle dernier. À l'époque, c'était des motos pour rouler, mais maintenant, mais ça roule très bien. On vous le confirme, ça roule très bien. Pour les sensations fortes, il faudra attendre demain soir. Les meilleurs pilotes du monde en super motard s'affrontent sur un circuit tracé spécialement pour l'événement. Près de 9000 personnes sont attendues pour assister à la course. Oui, on peut dire que c'est vraiment le point d'orgue, le samedi soir notamment, avec le grand show super motard, avec les meilleurs pilotes du monde, les champions français aussi qui seront là. Donc il y aura des démonstrations de freestyle. Donc oui, c'est vrai qu'ici, là dans le grand hall, vous voyez derrière, c'est la piste où il y aura le gros festival de samedi soir. Et puis si l'envie vous prend, n'hésitez pas, le Moto Quad Tattoo Show, c'est aussi l'occasion de se faire tatouer. Un seul mot d'ordre: convivialité. Là c'est ça, j'ai un collègue qui travaille avec moi dans ma boutique actuellement et donc c'est lui qui m'a proposé cette convention qui est un peu loin de chez nous, mais bon, c'est une expérience, c'est rencontrer d'autres tatoueurs, être à la rencontre des gens. Et... Pour les exposants, c'est l'heure des derniers préparatifs. Près de 17 000 personnes sont attendues pour ce week-end.